Bonjour à tous, on est sur Radio Olympique TV. Bonjour et bienvenue à Villefranche-de-Rouergue pour cette demi-finale cadette entre le Castres Olympique et Millau. Merci à vous d'être nombreux déjà et merci surtout à la FFR et notamment Carla De Créchin, responsable à la direction communication, de nous avoir autorisé à diffuser cette rencontre. Merci à Madame Communication aussi du Castres Olympique, Lisa Valette, pour son aide, ainsi que Joanne Bernade, responsable de la section féminine du stade olympique Millavois. Et tant que j'y suis, je remercie aussi la représentante fédérale Marie Fontes pour nous avoir permis de nous installer dans de bonnes conditions pour cette retransmission. Et pour m'accompagner aujourd'hui, bonjour. Qui vit, qui respire, qui dort au Castres Olympique, notre spécialiste Zaza. Salut Zaza. Bonjour Thomas, bonjour à tout le monde. Mais oui, on va se retrouver pour cette demi-finale, voilà, cadette, en direct de Villefranche-de-Rouergue. Et on a une invitée spéciale du côté du Castres Olympique. On a Audrey Bral, dit Didi, qui joue avec le Castres Olympique féminin, qui va nous aider à commenter ce match. Bonjour Didi. Oui, bonjour à tous. Donc Didi, tu peux nous dire un peu comment tu vois, comment tu sens l'équipe des cadettes? Je trouve que les filles sont vraiment concentrées, elles sont vraiment, elles se sont remises au travail depuis les quarts de finale. Il y a vraiment beaucoup de, elles travaillent dans la précision, elles font beaucoup d'efforts sur les entraînements pour corriger les petits défauts. Mais il faut voir que cette rencontre va être vraiment disputée puisque l'équipe de Millau est une équipe vraiment solide. Elles aiment le volume de jeu, elles aiment envoyer les ballons sur les extérieurs et il faudra vraiment mettre les ingrédients et les barbelés, comme on dit chez nous, pour réussir à battre cette équipe. Mais je pense qu'elles en sont largement capables. Ouais. Donc on a vu que aussi les seniors sont venus en force. Oui, tout à pour fait. Les encourager, voilà. Pour avoir l'esprit de cohésion. Cet esprit de cohésion, il faut savoir que depuis le début de la saison, on travaille toutes les deux équipes ensemble. À savoir que le mardi, on fait vraiment un entraînement commun cadette senior. Autant l'an dernier, elles ont été là pour nous quand on a joué les phases finales et on renvoie la balle cette année, voilà. Donc c'est super. Allez, on va donner les compositions des équipes avant de commencer. Alors on va commencer par le stade olympique Millevoix. Je te laisse y aller, Didi. Allez, numéro 1, El Bouzidi Iman. Numéro 2, Zarik Selma. Numéro 3, Cambiare Océane, pardon. Numéro 4, Desfour Maeva. Numéro 5, Ali Zitumbi Mima. Numéro 6, Saburo Nima. Numéro 8, Andréani Naela. Numéro 7, Kazelas Chloé. Numéro 9, Bousquet Lili. Numéro 10, Savi Margot. Numéro 11, Fugain Gabriela. Numéro 12, Mohani Souela. Ouais. Désolé pour la prononciation. Numéro 13, Dejan Maëlys. Numéro 14, Levec Ilia. Numéro 15, Sonier Alicia. Numéro 16, Delmas Elsa. Numéro 17, Morinteng Elisa. Numéro 18, Patrivia Yang Angela. Numéro 19, Kouzel Chayana. Numéro 20, Denis Alexia. Numéro 21, Despalanque Lince. Et numéro 22, Coste Chloé. Voilà. Alors leur coach est Joanne Bernard, Chloé Kukala et David Da Silva Nicolas, pardon. Alors on va donner l'équipe du Castres Olympique. Alors en 1, on a Gaël Bardou. En 2, Léa Touy qui sera la capitaine. 3, Dédieu Roman. 4, Dubuc Avalinéa. 5, Tissandi Charline. 6, Giro Alona. En 7, on aura Marion Roca. En 8, Emma Cardozo. En 9, Emmanuel Roca. En 10, Camille Sordet. En 11, Arnaud Océane. En 12, Laurine De Castro. En 13, Innocencio Lucie. En 14, Marie-Jorie Delonca qui a marqué l'essai de la victoire la semaine dernière. Mathilde Marchand en 15. Et les remplaçantes, nous aurons Joannin Estelle en 16. En 17, Lafage Manon. En 18, Michelou Lucie. En 19, Lamo Zoé. En 20, Gras Juliette.
21 Plo Lucie et 22 Marty Louise. Je te laisse dire les coachs. Ok, au niveau du staff, on aura Patrick Roca, Cyril De Castro, Pierre Massoubre et Bernard Marty. Avec leur soigneur Francis Nouret et administratif Marie-Laure Abadi. Bon, tu peux nous dire un mot sur Patrick Roca puisque tu le connais bien. Oui, tout à fait. Alors, Patrick Roca, c'est l'entraîneur des seniors. Et puisque nous, on a fini la saison, il a décidé de donner un petit coup de main aussi aux cadettes. Il a vraiment une expertise au niveau du jeu qui est intéressante. Et je pense que c'était un plus pour les cadettes qui viennent renforcer un peu ce staff. Même s'ils sont tout à fait performants. Mais ça complète un peu la cohésion de l'équipe qu'il y a actuellement au sein des deux catégories. Alors, on va voir deux équipes qui sont invaincues sur les phases, sur le championnat. Dans ce niveau cadette, bon, Mio qui a largement déroulé dans sa poule. Castres qui a eu un peu plus de mal sur la fin, un petit peu. Oui. Mais qui est bien revenu après sur les quarts et les huitièmes et les quarts de finale. En huitième, donc elles avaient battu Colomiers et Ponce, Lons. Et Mio avait battu Ustaris, une qui est à côté de Bayonne, et Aurillac. Donc Mio, si on peut parler d'elle, c'est les seniors par exemple sont les championnats de France à 10. Oui, tout à fait. Et donc elles ont formé quand même avec des joueuses comme Maïlis Troé qui est au stade toulousain. Oui. Et Castres, on peut parler de Castres, on en a deux, qui est sa fille. Oui, sa fille intérieure bien sûr, qui est à Montpellier. Ouais. Et des têtes d'affiche de l'équipe de France féminine, voilà, tout à fait. Qui vient de gagner son sixième titre de champion de France hier. Et on peut parler aussi d'Alex Bertoumieux qui est passé par le Castres Olympique, qui a été formé à Espagnol, et qui a passé deux ans au Castres Olympique Féminin avant de rejoindre Blagnac. Voilà, qui a connu sa première sélection avec l'équipe de France contre l'Italie. Le dernier tournoi en destination. Ouais. Voilà. Donc on attend que les deux équipes sont rentrées. Oui. Donc les arbitres, on va parler des arbitres. Donc l'arbitre central sera Cédric Dumont. À la touche, Mohamed Bagadi, Fabienne Darieux. Voilà. Et le représentant fédéral Marie Fontes, qu'on remercie beaucoup aussi, et la FFR de nous avoir donné l'autorisation de vous retransmettre ce match en direct sur notre site. Donc on a vu qu'ils avaient aussi une petite mascotte, le Castres et les cadettes. Oui, oui, il y a une petite peluche qui accompagne un peu le groupe, mais on la prend un peu partout. Allez, il y a très des joueurs, hein. Allez, rentre sur le terrain, on part. L'équipe Castres rentre les premières. On a vu aussi que les blessés des Castres Olympiques sont venus accompagner les cadettes. Hein. Oui, c'est vraiment la cohésion est forte et tout le monde est présent, ça tient vraiment à cœur à tout le monde. A priori, donc si on voit, c'est le Mio qui devrait. Taper le coup d'envoi, donc ouais. Castres reçoit, elles ont choisi le terrain. Il n'y a pas de vent aujourd'hui, donc pas trop d'intérêt de choisir l'un côté plus que l'autre. Alors c'est Margot Savi qui devrait. Taper le coup d'envoi. Taper le coup d'envoi. Bon, les conditions, il fait frais, il n'y a pas de vent, il pleut pas. Pour le moment. Ouais. Voilà. Les conditions idéales pour commencer un match. Ouais. Oui. Allez, on est parti. On attend. T'as pas de non, retour, non, pas de retour. Et c'est parti pour ce coup d'envoi. C'est Avelina qui reçoit. Dommage, avec un petit stand avant. Allez, tout d'abord. Allez, l'arbitre laisse l'avantage. Oui. Non, finalement, non. Ah, il faut savoir que dans cette équipe cadette, il y a quand même des filles qui ont commencé le rugby cette année et qui vraiment font de leur mieux pour rejoindre, essayer de rattraper le niveau des plus anciennes. Mais voilà, c'est vraiment un groupe qui est au travail et qui s'aime vraiment. Cette cohésion est forte. Donc voilà, mais Avelina commence sur rugby cette année, elle a fait beaucoup d'efforts, on l'a vu progresser énormément au cours de la saison. Voilà, malheureusement ça tombe sur elle, elle tombe sur le coup d'envoi, elle tombe le ballon en avant, mais c'est rien de grave et il faut passer. Oui, c'est... Voilà. Allez, voilà, mêlée stable, allez, ça sort. On ouvre du côté de Millau, redoublé, 12-13. Allez, à centre, sur les liens, qui cale, combien en avant. On récupère le ballon. Voilà. Camille Savi. Allez. Allez. On s'organise, hein. On a mis le pied de touche. Ah, le pied de touche. Là, c'est à lever le drapeau. On l'a vu de suite, cette équipe de Mio qui a de suite cherché à écarter et on s'attendait à ça. On sait que c'est le jeu de Mio. Donc les filles sont préparées à cette occasion.
On dit bonjour à Morgane qui a sa fille qui joue. Allez, un petit coucou, Morgane d'Obijan. Enfin, non, sa fille ne joue pas, pardon, puisqu'elle est blessée, excusez-moi. Mais allô, donc, un petit bonjour à Morgane et un petit bonjour à Salim. Allez, touche, on ouvre du côté de Mio. On écarte. Allez, ça glisse. Ça. Ah, ça progresse, elle est passée, attention. Allez, c'est bon, stoppé. Allez, les Miaros sont en train d'arriver de l'espace, non ? Elles ouvrent encore. Ça de suite, hein. Ça cherche de suite à l'extérieur. À l'extérieur. Voilà, ça se remet de suite, suite à place au niveau de Castres, je pense. On essaie finalement, ouais, se sont bien repositionnés et permettent de commettre un avant du côté de Mio. Ce sera une mêlée pour Castres. Alors l'arche arrière a pratiquement joué toute l'année du côté castré, donc elles se connaissent bien, Camille Sordet et Emmanuel Roca, ouais. Qui est la fille de Patrick. Bah, voilà. Il a ses deux filles sur le terrain aujourd'hui, oui. Marion et Emmanuela. Allez, on attend qu'elle se positionne, les commandements de l'arbitre. Ouais, il y a du monde finalement dans la tribune, la tribune est pleine. Autant mieux que pour Castres. Ouais, autant mieux que pour Castres. Allez, on introduit. Allez, c'est gardé. Allez, le ballon sort pour Castres avec Emma Cardozo. Qui a essayé de chercher un intervalle. Attention. Et le ballon est vite libéré. Allez, pour Emmanuel Roca qui donne à Romane de Dieu. Allez, on s'organise. Attention au contre-ruck. Oui, elles ont perdu le ballon. Et voilà. Elles ont perdu le ballon au contre-ruck. On s'est mis à la faute. On est à 20 mètres face au poteau. Je pense que. Elles vont prendre les points, je pense. Allez, c'est ça. Les indicaux à l'arbitre qui prennent les points. Et donc, c'est Margot Savi qui devrait prendre les points. Ouais, je pense que c'est. Oui. Margot Savi, ouais. Bon, on s'y attendait, cette équipe de Mio, elle est complète, elles aiment le combat et autant elles aiment écarter les ballons. Donc voilà, faut vraiment être attentif du début à la fin. C'est ce qu'on disait, Mio, c'est quand même solide, des cadettes jusqu'aux seniors. Hein, elles ont, tout à fait. Elles ont une équipe minime. Allez, ça prend voilà. 3 points pour l'équipe de Mio. Alors, juste pour vous dire, avant que le coup de renvoi soit effectué par Castres, que les cadets sont en quart de finale, ont remporté leur match face à Toulon, 23-3. Ouais, bravo les cadets B. Ouais. C'est super. Et Soragout mène 12-0. Allez, Camille Sordi va taper le coup d'envoi. Allez, Camille qui a été retenue dans les top 100. Hein, tout à fait. U18, qui a fait un stage à Marcoussis. Et que nous, on a eu le plaisir de faire une interview sur Radio Olympique. Allez, attention, ça rouvre. On écarte sur l'aile. Emmanuel qui rattrape cette lière. On remonte et on rouvre. Ah, il faut reformer cette ligne rapidement et faire tomber de suite. Hein. Ah. Voilà, c'est ce que Léa Twiss. Et voilà, on récupère sur le. Camille qui a bien gratté le ballon et qui est récompensé par ses efforts. Elle va aller chercher la touche. Touche, ouais. En bas, on voit que Castres défensivement a repris un peu du poids de la bête. Oui. Allez, on attend le ballon pour la touche. Et je lancerai ça pour Léa Thuy. Alors Léa Thuy, c'est récent qu'elle joue à ce poste-là, puisque jusqu'à présent, elle jouait en troisième ligne. Et puis, suite aux blessures de Margot, qui d'habitude est titulaire. Plaza, oui, qui a déclaré forfait aujourd'hui, oui. Voilà, pour des soucis de santé. Bon, voilà, ben, Léa sur l'intérim, et elle le fait très bien, du mieux qu'elle peut. Et en tant que capitaine, elle s'applique à le faire. C'est vrai que chez les filles, quand même, on a joué une petite. On est capable d'être polyvalent à plusieurs postes. Hein, on peut jouer seconde, troisième ou à l'aile. Ah, dommage sur l'en avant, sur l'action. Ouais. Commis par les Castres, mais on a vu qu'elles avaient envie d'elles aussi de montrer ce qu'elles pouvaient faire. Tout à fait. Allez, ce sera une mêlée pour. Voilà, c'est ce qu'on entend, hein, Cyril, qui est content de leur première attaque. Ouais.
Alors je pense que l'arbitre leur a dit qu'elles sont dedans, donc à mon avis elles pourront taper directement en touche. Allez, introduction, Lily Bousquet du côté de Mio. Voilà, et en fait on joue. Ouais, joue. Allez, ça ouvre, attention, ça va sur l'aile opposée. Et toujours sur Romani. Et dommage. Et non, finalement, l'arbitre a vu un an avant. Voilà. Très bien, ce sera une mêlée. Pourtant, ce sera à l'entrée des 22. Juste avant les 22, c'est. Une possibilité d'occasion, pourquoi pas. D'ouvrir et de scorer. Allez, introduction Emmanuel Roca. Voilà. Allez, on tient bien le ballon. Allez, on va écarter. Allez, pour Marcha Mathilde, on garde le ballon. Dans la ligne. On est dans les 22. Allez. Allez, petit côté. Ballon pour Avelina. Qui va sortir le ballon proprement. C'est fait. Et ça renverse. Allez, ça renverse. Allez, Camille. Ça va aller à l'opposé. Dommage. Sur Océane, mais c'est derrière. Non. Ah, finalement, l'arbitre considère que c'est en avant. Bon. Ah, ça fait soulever un peu le public. Hein. Ouais. Ben, c'est vrai qu'au départ, il avait dit ici un peu si c'était derrière. Et puis finalement. Il est revenu sur sa décision. Voilà. Ah, ce sera une mêlée pour Mio. Alors. On attend après l'arbitre pour nous donner les commandements. Bon, Didi, toi, en attendant que l'arbitre me donne les commandements, puisqu'il a l'air de donner des consignes, tu entraînes les U13 au Castres Olympique ? Oui, tout à fait. Alors, bon, je travaille, c'est la catégorie minime, je travaille en collaboration avec les, bien sûr, l'école G14, et nous, on participe au Groupama, au Super Challenge, et on travaille ensemble pour évoluer au mieux. Donc là, les petits sont qualifiés pour les finales du Groupama, qu'on jouera le 2 juin à Perpignan. Allez, on part du côté de Mio, on ouvre grand côté. Ça va aller, ça rentre. Oh, attention, elle est passée. Et bien repris. Ça continue à jouer. Allez, on va sur l'aile. Oula, le beau caramel de Castro Louis. La fille de Cyril. Hein, tout à fait. Qui son fait... papa est fier et il est fier au bord de la touche. Ça y est. Ouais. Et elle récupère du coup la mêlée derrière. Tout à fait. C'est Miravos pour l'instant qui n'arrive pas à sortir de leur camp. Mais tant mieux pour nous. Ouais, non, mais on a discuté, on a vu avec les entraîneurs et tout à l'heure j'ai discuté de Bonaparte, il me disait qu'il leur avait dit de rien regretter, de jouer, voilà, de se donner à fond et puis voilà. Les Miravoises, comme on disait, on fait bon jeu et si on leur laisse la moindre porte de passage, ben, elles y vont et elles ont raison. Donc à nous de faire en sorte que ça ne passe pas. Allez. Allez, introduction pour Emmanuel Roca. Allez, c'est introduit. C'est sur le pour Camille. Allez, la fête. Ah, dommage. Ah, dommage en avant. Récupéré par Miavoise hein, qui ont profité de l'avantage. Et ça sort. Et ça sort. Attention, Mio. Ouais, là, il y en a un avant aussi. Ah, il revient pas sur l'avantage. Non. Je suis un peu étonné, mais bon. Ouais, il aurait pu revenir sur l'avantage parce qu'il y a pas beaucoup finalement de progression. Tout à fait. Bon, pour l'instant, c'est un peu décousu. Je pense que les équipes doivent être aussi un peu tendues, un peu fébriles des deux côtés. Ça reste une demi-finale de championnat de France, donc il y a quand même de l'enjeu et tout le monde a envie de gagner. Donc peut-être un peu de fébrilité des deux côtés. Ouais, de l'autre côté de l'autre demi-finale, c'est Sarcelles contre Gien-Clair. Donc si elle venait à passer. Ça fait un beau déplacement. Ça fait un beau déplacement. Et on espère qu'elles vont passer. Hein, oui, on l'espère, voilà. Bien sûr. Allez, supporter de casse qui monte la voix pour la mêlée. Okay, mêlée. Allez, ah, la mêlée chahutée, mais bon, on récupère. Allez, ben, dommage. Encore un en avant. Allez, l'avantage profite. Allez, on récupère, on s'organise du côté.
de Mio. On ouvre au grand côté. Ça va, Squalet, là. Allez, on met la pression du côté Castres pour voir. Allez, Castres qui s'applique à reformer la ligne. Allez, toujours le ballon est pour Mio. On est à l'heure 35 mètres. On ouvre au grand côté. On se fait des passes. Mais ça progresse pas, hein, sur la ligne. Il y a encore un beau plaquage de Romano des Dieux. C'est ça. Les Castres, pour l'instant, dominent sur le gain de terrain. Voilà, et on joue au pied, on va récupérer le ballon. Allez, on sait à Arnaud, qui a le joue avec une épaule un peu baissée aussi. Oui, mais bon, elle serre les dents et elle le fait pour l'équipe. Hein. Allez, les allez. On récupère du côté Castres, attention la passe. Le ballon. Qui a réussi à transmettre, on libère le ballon pour le moment. Allez, on s'organise. Camille, comment... Allez, il y a un trou. Allez, sur Marjorie. Non, elle est reprise. Libération non. Propre. Non, c'est bon, on garde le ballon, on conserve du côté Castres. Et on s'organise, on charge. Léa pour Emma Cardozo. On a toujours le ballon. Côté Castres, on s'organise. Charlie. Voilà. Allez, sur Camille. Allez, bien joué au pied. Allez, sur Océane. Ah, le rebond. Il n'y a pas d'en avant. Il n'y a pas d'en avant, le rebond. La Miavos qui a récupéré. Mais non, mais tiens. Elle n'a pas lâché, hein, Océane. C'est Miavos, encore une fois, qui ont des qualités physiques qui nous montrent qu'il faudra. Voilà. Et elle récupère un ballon de nouveau. Non, alors finalement, illicitement, les Castres. Mio va pouvoir se dégager. Mais on a senti que les Castres pendant 5-6 minutes là, elles ont occupé. Tout à fait, elles ont occupé le terrain et voilà, pour aller marquer c'est toujours plus facile quand on est du bon côté. Oui, c'est sûr. Ah, et elle trouve pas la touche. Voilà, récupérée par Mia Cardozo qui l'a dessus. Voilà. Emma qui est forte sur la pique, qui arrive toujours à mettre son équipe sur l'avancée. Ouais. Et le ballon sort pour Léa Thuy. Allez, elles s'organisent. Le soutien. Allez, Camille Sordé, on ouvre. Voilà. Allez, on conserve toujours le ballon. Ah, Emmanuel qui essaie de passer, trouve une ouverture. Ah, dommage, le ballon qui est tombé un second temps. Allez, mêlée pour Mio. Allez, c'est bien, elle lâche rien malgré tout. Hein. Non, non, elle lâche rien, on voit qu'elles sont en place, est-ce qu'elles sont là. Ça pousse dans les tribunes. Oui, tout à fait. Hein. L'arbitre est blessé. Ah, il y a une blessée. On signale à monsieur l'arbitre. Hein. Alors, c'est du côté Castres, mais aussi du côté de Mio. On voit que c'est rude. Hein. Ah, ce match il va laisser des traces, c'est il sûr. Va laisser des traces. Mais bon, on dit souvent pour être les meilleurs il faut battre les meilleurs, donc voilà, ben, il faut en passer par là, donc profitons-en et. Il faut montrer à l'adversaire qu'on est là présent aussi, qu'on répond physiquement. Tout à fait, mettons les ingrédients pour que tout se passe bien. Allez, du côté Castres, vous attendez les supporters qui sont là avec les tambours, les drapeaux. Pour pousser l'équipe. On remercie les amis du rugby qui nous ont prêté les tambours gracieusement. Voilà, Carlos et Didier qui répondent toujours présents pour nous prêter du matériel dès que c'est possible. Ah, encore, l'arbitre avait dit de reprendre le jeu, puis finalement. Alors, c'était Benny Sancio qui était blessé du côté Castres, qui reprend sa place. Allez, toujours ici, 3-0 pour Mio. Introduction pour Mio. Et on devait ouvrir de côté. Pour sa vie. Pour sa vie, grande passe. Attention. Et toujours cette hilière redoutable. Ouais. Mais bien pris hein, du côté par Océane avec Océane. Il a gardé à l'œil et ouais. Je pense qu'elle le sait, il faudra pas lui laisser l'espace. Hein. Voilà.
Allez, on refait la ligne, on essaie de gagner le terrain. Mais Castres glisse quand même, glisse bien en défense. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. Allez, on retourne du côté Mio, on inverse le jeu. Attention, on a Savi qui passe la balle. C'est bien vu, récupération par Romain. Ah, dommage parce qu'elle fait un avance sur la récupération du ballon. Et c'est bien vu puisque de l'autre côté, les Castres n'étaient pas montés en défense et les Miavois avaient levé la tête. C'était potentiellement un bon coup à jouer. Mais on voit que quand même Mio a du mal à se sortir de son terrain. Hein, de... Oui, oui, oui. Les Castres ont vraiment fait un gros effort sur le travail en montée défensive. On a toujours dit que le gain de terrain était le plus important en défense et voilà, elles s'y appliquent. Elles savent qu'il faut rester dans le camp de Mio pour tenir bon sur ce match. Donc elles font les efforts. Donc vous, dans votre poule, vous aviez trois réserves, vous avez fini quatrième. Tout à fait, on avait la réserve de Montpellier, la réserve du Stade Toulousain et la réserve de Blagnac. Donc la finale de notre fédéral 1, c'était Montpellier contre Stade Toulousain. Montpellier a gagné le Stade Toulousain hier. Voilà, elles ont fait le final, il faut le doubler avec l'équipe 1. Allez. Voilà, un en avant. Et on récupère le ballon du côté Castres. Oui, Mio qui n'arrive pas à se dégager. Allez. Tout à fait. Allez, il sera une mêlée sur les 40. Côté Miavois. Oui, voilà, du coup, on finit quatrième derrière cette équipe de Blagnac, voilà, qui est aussi une équipe réserve. Donc, un bilan quand même assez satisfaisant dans la mesure où voilà, ces équipes sont quand même assez difficiles à jouer. On a eu beaucoup de blessés, on a parti avec un effectif un peu juste. Donc j'en profite pour faire passer le message que si les filles sont intéressées pour venir jouer au rugby, on les accueille avec grand plaisir. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de cohésion, beaucoup d'entente et c'est pas rien, senior. Allez, Emma qui lance. La belle montée de la centre Omani qui a permis de récupérer le ballon et qui a fait commettre. Ouais, en avant. Qui vient de rendre le coup que voilà. Lui avait donné tout à l'heure, un mouvement dans le centre. Mais bon, Lauriane a connu d'autres et ça va bien se passer. Je pense toujours à notre préparateur physique Thierry Savio qui nous dit « La douleur n'est qu'une information, dans ces moments-là on le déteste, mais bon, on sait que ça nous aide à nous relever, il n'y a pas assez autre chose. » Allez, toujours introduction, Lily Bousquet, on est sur la ligne des 40. Allez, ballon du gagné. Côté. Allez, on ouvre, on inverse. Ouais. Et toujours sur cette ailière du côté d'Océane. Océane. Mais Océane, ouais, glisse bien de ce côté et l'empêche de jouer, quoi. Allez. Bon, le Miavois se rapproche de la ligne des 50. Ça, ça y est, on est passé du côté Castres, on est dans le coin Castres. On essaie de mettre les mêmes, mais on se consomme pas trop pour voilà. Monter rapidement en défense. Ah. D'ailleurs, ça veut pas trop si elle devait jouer de l'équipe de Mio. Allez, ça monte. Allez, on va percuter du côté de Mio. On va au sol. Attention, mais on est sur les appuis, on récupère le ballon. Voilà. Bravo. Et on a vu les points de l'aide. Laurie et Max sont vraiment deux très fortes gratteuses. Voilà. Et ce travail, elles aiment mettre les mains là où personne ose mettre un doigt. Donc elles aiment ce boulot et elles y vont de plein cœur. Allez, on va en touche du côté Castres. Tout à fait. Allez, sur la ligne, on est à 30 mètres. Allez, toujours. Pour Léa. Ouais, on est toujours à 3-0 pour Mio. Et on est à la 20e minute, grosso modo. Donc ici, pour les cadettes, les matchs durent 35 minutes pour chaque mi-temps. Donc c'est un match de 70 minutes. Il y a un combat du public dans les gradins qui commence à celui qui chantera le plus fort. Allez, ballon. Allez, encore. Emmanuel Rocard. Allez, Camille. Bien, oui, bien. Bien récupéré par Marjorie, ça ouvre. Et ça va laisser. Oui, oui.
ligne, la case 13. Il est rattrapé, mais une super accélération. Ah, mais super accélération, on a toujours le ballon. Ah. À l'arrière, avec Camille qui garde le ballon, qui va au sol. Il va conserver. Superbe action. Marjo qui était venu en plus 1 et qui a réussi à faire la différence. C'est vrai. On va au sol du côté castré, on conserve le ballon. On va ouvrir. Allez, allez, on repart. On prend le ballon. Et solide, Romain s'appuie à s'y mettre à plusieurs pour la plaquer. C'est vrai. On a toujours le ballon. Ah, dommage, on s'est mis à la faute du côté castré. Voilà. Et Miavos qui va récupérer ce ballon. Elles ont mis les mains dessus, elles sont premières. Et l'arbitre qui donne une pénalité pour elles. Dommage parce que la domination territoriale est tout à fait en faveur des castrés. Tout à fait, il ne faudra pas qu'elle lâche. On sait que dominer n'est pas gagné, mais il faut concrétiser dans les temps forts. C'est un temps fort, mais il va falloir s'affairer à récupérer la balle pour retourner derrière la ligne de marque. Alors du côté de Mio, finalement, au deuxième, on joue à la main. Voilà. Et on a fait un en arrière. Et les castrés en mode de bien en pointe. Les Miavos se sentent fortes, elles aiment se jouer à la main, elles aiment pas trop aller en touche. Ouais, mais les Castres vont contre Rock et récupèrent le ballon avec une pénalité du côté Castres. Je pense que Cyril Castro appelle les points. Ah non, non, finalement elle a joué vite du côté de Camille. On n'a pas vu que Cyril voulait prendre les 3 points. Et on ouvre. Allez, on est sur la. Allez, à 5 mètres pour les Castres. Alors on va s'organiser. Petit côté, allez. Allez, Lori. Allez, ça va aller aussi. On est sur la ligne, oui. Et c'est une illustration de Lucie. Oh bon, elle veut dominer. Ça y est, elle marque. Et je pense que Camille peut-être n'est pas habituée aussi à avoir autant de résistance puisqu'elles ont tellement dominé sur les phases finales aussi, leur championnat. Elles connaissent un peu peut-être les difficultés là-dessus. On va discuter un peu avec les filles avant le match. Elles pensent que Mio va être favori. Donc comme je leur disais, vous n'avez pas de pression, vous n'avez rien à gagner. C'est elles qui auront la pression. Donc profitez de cette occasion pour vous exprimer et n'avoir rien à regretter. Et voilà, je pense que c'est ce qu'elles font et elles nous régalent quoi. Ouais, oui, depuis qu'elles sont rentrées dans le kanga de Mio, elles en sont pratiquement sorties et elles leur ont mis la pression. Et ce jeu à la main leur a coûté, en fait, au lieu de se dégager, leur coûte cher puisqu'elles prennent un essai derrière. Tout à fait, tout à fait. Et c'est Marjorie qui va prendre le jeu au pied. Alors Marjorie, il faut savoir qu'elle arrive du foot, ça fait qu'elle a commencé le rugby. Elle a fait encore des sélections à Clairefontaine avec les moins 18 du foot, de l'équipe de France. Et elle s'est mise au rugby, voilà. Et il faut savoir, bon, évidemment, qu'elle a un très bon jeu au pied. Donc on va voir si ça passe. Et ça passe à côté. Ça passe à côté, mais la direction y est. Ouais. En tout cas, allez. On n'a rien à lui regretter. Donc ça fait 5-3 pour Castres. Allez, à la 25e. Alors, on entend le public de Mio qui essaie de soutenir son équipe. Hein. Voilà, on est venu voir à peu près comme il restait du temps du côté castré pour voir. Tout à fait. C'est Léa qui est venue demander à l'arbitre. Attention parce que cette équipe de Mio a vraiment beaucoup de caractère. Voilà, et là, le ballon qui n'est pas 10 mètres, donc on va revenir avec une mêlée, pour Castres. Mêlée au centre. Je pense que le Mio est perturbé par le jeu castré, par l'intensité physique qu'elles y mettent et la défense sur chaque patte. Peut-être qu'elles n'ont pas habitué à se faire secouer comme ça. Bon. Ah oui, parce qu'elles ont déroulé en championnat, je disais, elles ont mis des 70, des 25, des 51, des 63-0 en championnat. Pareil en phase finale, 49-0, 38-12, elles n'ont pas eu vraiment d'opposition. Alors que les Castres sur les phases finales, contre Colombier c'était 14-5, contre Lyon, Pau, Lyon, c'était 7-5. Tout s'est joué en première mi-temps, en seconde mi-temps, il n'y a pas eu de points. Donc elles connaissent, je pense, finir. Voilà. Il y a eu du suspense jusqu'au bout. Ah dommage sur l'introduction, oui bras cassé. Bras cassé, c'est le pied extérieur qui. De la pilier qui vient talonner et c'est pénalisé par l'arbitre. Donc bras cassé pour les Castres. C'est ça. Allez, avant le jeu. Joue main. Allez. C'est parti pour Charline. Bien faire. Qui retrouve retrouver Macardozo. Bon. Allez, Mac qui avance, hein. Ah oui, toujours, toujours. Avec sa puissance. Ça. Allez, ça sort pour Camille. Hein. Allez, oh le trou! Elle a vu le trou, Camille! Elle a vu le trou! Elle lui faut le soutien! Elle se met à 3 pour la plaquer quand même!
Ah dommage, dommage, par rapport à la percée qu'avait fait Camille, c'était dommage. Si tu arrives un peu tard, mais voilà, pénalité pour Mio. Alors est-ce qu'elle va la rejouer à la main ou pas? Ah, je pensais pas, parce que si, enfin, vu l'essai qu'elles ont pris derrière, je pensais qu'elles vont faire le choix de prendre la touche cette Mio fois. Elle a la touche, donc elle est en bonne touche, voilà, c'est ça. Voilà. Et petite touche complètement dévissée, c'est ce que je dis, elle les fait déjouer, je pense que... Je suis assez étonné parce que cette petite Margot Savi qui est une très bonne vie, qui a un très bon jeu, une bonne vision, j'ai l'impression qu'elle est en train de sortir de son match. C'est pas courant chez Mia Voisin. Là on a vu une belle percée de Camille là, sortée. Camille qui a de très très bons appuis, elle est impressionnante. Hein. Même à l'entraînement contre les seniors, elle arrive à nous mettre en difficulté. Voilà. Allez, au talon, donc Zarik, la capitaine, du côté de Mio. Allez, ça saute. C'est contré à du second tag, ça revient du côté ballon castré, donc ça sera en avant. On va la jouer? Non, finalement, on peut pas. Ah, ce sera en avant. En avant sur la touche. Ah, elles sont perturbées complètement, les Aveyronnaises. Voilà, vous avez vu les seniors qui chambrent un peu Didi. Quitte au commentaire avec moi. C'est le fan club. Elle a son fan club. Allez, les coachs Mio qui ont fait sortir cette petite Margot Savi. Ouais. Qui a l'air. Rentrée la 22, Chloé Costa. Je pense qu'elle est un peu perturbée dans le jeu et l'arbitre, leur entraîneur l'a senti. Donc. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, on est en changement limité, donc Margot pourra rentrer sur le terrain à ce moment. Allez, ballon, encore regardé, Costa. Attends, sur la passe. Allez, on rejoue. Ah, dommage, Camille qui commet un avant derrière. Cette redoublée, pourtant, qu'elle travaille beaucoup, mais bon, il peut y avoir des imprécisions. Voilà, on est. Allez, du côté de Mio, on s'organise. On joue petit côté. C'est ça. Allez, il faut former cette. Mais on les a maintenus. Allez, toujours ballon conservé. Alors, on rentre au grand côté. Mais là, les faces se cassent très bien. Tout à fait. Bia qui était au plaquage de suite, elle s'est bien baissée. Voilà. Ah, elles étouffent. Alors. Attention à la passe. Voilà. Et on va laisser sa doute en touche. Elle glisse bien les casseraises en défense. Elles arrivent à lire parfaitement le jeu de Mio pour l'instant. Camille qui a moins la deuxième ligne en touche. Voilà. Ouais. Ah, il y a un petit talonnage apparemment à la main, au pied, que l'arbitre parle de pied par rapport à Mio. Il parle par rapport à l'introduction. Ouais, je pense. Ça. Allez, au talon, Léa Thuy, la capitaine du Costa Castré. Donc les Castrés en aussi une touche à 5. On est au-delà des 40 de Mio. Et Marion qui se lance en deuxième. Voilà, et on récupère parfaitement le ballon. Et du coup, voilà. Et on s'organise au soutien. Le ballon il est derrière. Allez, voilà. Ce ballon. Pour Romana. Et qui va continuer à resserrer cette défense. On sort le ballon proprement. Allez, on s'organise. Attention, la passe elle est derrière. Ah, dommage. Dans le second temps, le ballon revient devant. Allez. L'arbitre signale donc en avant. Ah bah. Allez, du côté toujours, on est en direct pour cette demi-finale du côté des cadettes niveau 2. Castres mène 5-3. Allez, une mêlée, introduction Mio, juste 5 mètres avant la ligne médiane dans le camp de Mio. Ça. Allez, on garde le ballon. Allez, on joue. Petit côté sur la centre. Allez, attention. Allez, c'est fraîché. Placage de Marjorie. Donc, allez. Voilà, on a franchi la ligne du côté de Mio. Ça faisait un petit moment qu'elles n'avaient pas fait. Attention. Voilà.
La défense plein axe. Alors, du coup, fait du pick and go du côté de Millau. Ouais, c'est assez peu courant chez elles, puisqu'elles aiment le jeu à l'extérieur. Et là, elles viennent chercher un petit peu le jeu au ras des règles, et ça fonctionne, puisqu'elles sont rentrées dans le camp castré. Ouais, ouais. Elles avancent, toujours le bon ballon. Attention, il va se faire manger sur le combat. Et ça ouvre. Voilà, et allez, on ouvre. Côté opposé. Voilà. Allez, on prend. Allez, on centre. Il faut reformer cette ligne. Allez, attention. Il faut plaquer. Le ballon toujours conservé par Millau. On va ouvrir grand côté. Non, la feinte. C'est du jeu propre. Hein. Il y a qui a failli rater son plaquage, mais finalement qui a repris du bout des doigts. Ouais, attention. Et Roman qui est au plaquage. Et Roman, une grosse plaquage. Roman, hein. Vraiment, et on essaye de faire du pick and go du côté. Voilà. Ça charge l'axe. Je pense qu'elles ont vu qu'elles étaient un peu prises peut-être sur le jeu de passe et. Voilà, on a ralenti du coup le jeu. Allez, on s'organise. Ça ouvre. Petit côté. Emma, elle était pas loin de récupérer le ballon. On s'organise. Ça avance toujours. Allez, on est dans les 22 mètres. On se rapproche de la ligne des 5 mètres du côté de Millau. Et voilà. Attention, on va prendre un essai. Passer à l'essai, ouais, juste avant la mi-temps. Attention à les mouvements. Voilà. On maintient au sort, en haut, on a coffré. Alors on a coffré toujours côté. On coffré, on va récupérer sans doute la mêlée du côté castré. Voilà, bien récupéré les filles. L'arbitre qui appelle les Atoui, bon, super, hein. Elles ont rien lâché. Millau a très bien avancé. Elles ont profité de un petit peu de ce que leur a dit les coachs et elles sont repassées dans l'axe. Hein. Là où c'était un peu plus fébrile. Et oui, Millau qui nous avait habitués à ouvrir, elles ont fait sur la dernière occasion, elles avaient l'occasion d'ouvrir. Oui. Et je pense qu'elles sont prises de. Elles ne savent plus où elles sont. Ouais, pour l'instant, sur ce jeu-là, du coup, elles se sont rabattues de revenir alors qu'elles avaient le grand côté complètement ouvert pour aller à l'essai. Hein. Tout à fait. Allez, mêlée pour l'introduction. Castrez. Allez, on est sans doute juste avant la mi-temps. Ouais, il n'est pas impossible. Bon, on a pris les arrêts de jeu, mais on n'est pas impossible. On approche de la dernière action. Mêlée pour l'introduction. Castrez. On est sans doute juste avant la mi-temps. Alors, introduction pour Emmanuel Roca. Et on récupère un coup franc. Ouais. Allez, Castrez qui va pouvoir se dégager. Alors, on demande de jouer la touche du côté. D'aller en touche. Un peu compliqué puisque c'est une pénalité en plein centre du terrain. C'est les plus compliqués puisque bon, faut savoir que chez les filles, le joue-pied n'est pas forcément. Du même niveau que celui des garçons, oui. Et alors on essaie beaucoup le travailler, mais. Voilà, on renvoie, un bon coup de pied, Marjorie, et voilà. Ah, il n'y a pas d'avance. C'est au pied, bien pris de suite. La part d'Océane. Par Océane. Et la ligne se reforme. Ah, oui. On a réussi à sortir des 22. Attention qu'elle ne refasse pas le même cinéma en repassant dans l'axe, hein, il va falloir mettre les barbelés au pré là. Allez, voilà. De nouveau, il faut reformer cette ligne hein, de suite. Voilà, et du coup, elle s'organise un pick and go. Hein, de nouveau, on va essayer de plein axe. Ferrailler, allez. Faire ça, hein, tout le temps. Voilà, on va ouvrir. Ouais. Allez, ça monte, mais ça glisse. Du coup, la défense est casserelle. Elle monte tellement vite que dès qu'elles ouvrent, elles sont prises en défense. Hein. Et voilà, c'est la mi-temps voilà, ici. Hein. Allez, le Castres Olympique mène 5-3 face à Millau à la mi-temps. Les cadettes qui mettent une intensité défensive. Je passe la main à Thomas. Allez, on va passer une petite page de pub. Merci déjà d'être nombreux à regarder ce direct. Et on se dit à 2 minutes.
Allez, on est de retour à Villefranche de Rouergue. J'en profite de nouveau pour remercier Madame Carla Descréchin, responsable de la direction communication de la FFR, qui nous a permis de vous diffuser ce direct. Et je remercie par la même occasion Madame Communication Lisa Valette du Castronapi pour son aide, ainsi que Joanne Bernard, responsable de la section féminine du stade olympique Miyavois. Zaza, vite fait, avant que ça reprenne, on va revenir sur la victoire, on va dire ça, du Castronapique hier. Ouais, avec ça... un manager qui a dit qu'il était rassuré, mais je dirais pas la même chose personnellement. Ouais, c'est, ça a été assez, on va dire, bien pendant 55 minutes où tu penses pouvoir prendre les 5 points du côté castré. Bon, on va finir, fait pas la fine bouche, on a gagné, c'est bien. Mais on s'est mis après en pression derrière, on a pris un carton jaune, Toulouse qui fait une faute d'obstruction et du coup on se mélange un peu les pinceaux, on a du mal à voilà, et Agen revient, marque un essai et à la fin on le refait une obstruction et on peut se retrouver avec un match nul. Donc bon, l'essentiel c'est la victoire comme on dirait, ils sont allés la chercher. Ça faisait, après ces deux revers contre Montpellier et contre le stade toulousain, on se rassure, on est dans les 6, c'est bien, on ne se pose pas des questions et il faut jouer le match de Toulon. Et puis si on doit aller à l'extérieur, on ira à l'extérieur. Ça nous fait pas peur au cas olympique parce qu'on aime ça nous la pression. Donc voilà, s'il faut aller à l'extérieur, ça serait bien qu'on le joue à la maison, financièrement pour le club, pour les supporters, il n'y aurait pas de déplacement, voilà, ça serait excellent pour la ville aussi. Voilà. Et donc, mais s'il faut aller à l'extérieur, à Toulon, on n'est pas passé loin. Il n'y a que la première année où alors, on avait été en difficulté à Montpellier. Mais là, l'année dernière, on avait battu le stade de Toulousain. Alors, bon, tout est possible si on va à Agen. On va à la truc. Oui, tu as l'info ? Ouais, Soragout est en quart. Voilà, Soragout est en quart, très bien. Très bien, je pense que Morgane va être contente si sa fille gagne le Soragout aussi. Petit message personnel. Alors, regarde, allez, on est reparti du côté des galettes. Alors, juste pour information, il n'y a pas eu de changement côté Miyavois. Et côté castré, Gaël Bardou, la 1, est sorti et était remplacé par Manon Lafage, la numéro 17. Allez, Castré qui remet la pression d'entrée de suite. Le ballon est Miyavois. Voilà, on franchit. Maintenant, mais on tient. Au plaquage. Voilà, on essaie de écarter. On revient au soutien, ça ouvre. Oh, le plaquage un peu haut, il l'a vu, hein. Et il a vu l'arbitre. Le plaquage d'Emmanuel Roca. Donc il y a un avantage du côté. Voilà. Pas, on revient sur l'avantage. Hein. Sur la pénalité. Voilà. On sera sur la ligne des 40. Et ça va aller chercher la touche. Hein. Allez, on proteste pas du côté castré. Allez, même pas la touche. Même pas la touche. Qu'on se perde pas. Voilà, le rebond. Mais attention. Mais résiste. Allez. Allez, on a gardé toujours là du côté castré. Marjo qui vient au déblayage pour nettoyer. Allez. Un peu, c'est bien fait. Hein. On s'organise. On est du côté castré, mais ballon pour Castre. Allez, ça sort pour les avant avec Charline. Hein. Ah, c'est fait piquer le ballon sur le contre-rock. Elles ont, allez, on est en avant. Il y aura un avantage un peu du côté Mio. Allez, on ouvre. Allez, la balle qui va directement à touche, donc on va revenir à une mêlée pour Mio. Sur le côté, dès qu'elles ouvrent, elles ont un peu de mal à enchaîner, à se trouver du côté de Mio avec les montées défensives castrées. Hein. Ah, je pensais qu'on a eu Pauline. La voix de Pauline. Du castre le... Non, c'est pas la voix de Pauline. Du castre le paquet. Ah, de Boubou. Voilà, Boubou. Qui est là aussi. Alors, on donne. L'arbitre a donné des informations pour le positionnement du côté de Mio sur la mêlée. Je pense que c'est plutôt au niveau du contest. Ouais, c'est peut-être les pieds. Alors, c'est Chloé Coste qui est à l'introduction du côté de Mio. On a changé de demi de mêlée. Ouais. Marco Savi est rentré sur le terrain côté Miyavois et Chloé Coste a remplacé Lily Bousquet à la mêlée. Ils sont bons de Mio.
Ouais. Avec du mal à. Ils sont poussés par les Castres. Allez, on conserve quand même le ballon. Alona, on est pris. Attention, le ballon. Tu vois ça. C'est bon. Allez, ils sont pris. Le ballon debout. Et on le maintient, dommage. Allez, bien prise de nouveau. Allez, on est sur la ligne de 22 du côté de Mio. Dans le cadre de Castra. Ça met de la vitesse un peu du côté Mio. Elles ont compris qu'il fallait mettre un peu d'incité. Ouais, vitesse, hein. Un peu de vitesse ça, sur sa vie. Ouais. Allez. Avelina au placage. Hein. Voilà. Allez, on joue petit côté. Oh. Allez. Allez, toujours ballon conservé par les Aveyronnaises. Attention à la percée. Et on est sur la ligne. On est juste sur la ligne du côté Aveyronnaise. Ouais. Mais apparemment, l'arbitre dit qu'il n'a pas essayé. Donc il va. Voilà, mais il y a 5 pour Mio. Attention au. Voilà, le premier oubli défensif a fait coûter cher. Voilà. Mathilde était bien revenue, heureusement, en 15 ans. Qui lui semble un peu s'est passé. Attention, avertissement sans fait pour le moment. Ouais. Et les seniors qui montent le temps de la voir pour soutenir un peu ses cadettes. Attention, petit côté que. Qui est pas inversement, je pense que. Les filles vont veiller au grain. Ouais. Allez. Allez, on est introduit du côté de Mio. C'est parti. Regarde le ballon. Attention, petit côté. On est essayé. On est sur la ligne. Attention. Et il y a essai. Voilà, essai à verrouiller. Ouais, allez, essai de donc de Mio qui reprend la main devant ses Castres. Transformation, on va tenter la transformation par sa vie. Margot. Et essayer de Castro qui va faire rentrer Lucie Michelou. Donc on va attendre de voir qui c'est qui va faire remplacer. Et Bobou du côté senior qui essaie de mettre l'ambiance et qui se sent un peu celle-là. Et à côté. Cette fois, c'est ça, allez, Mio. On en restera à 8 et à 5. Mio. Allez, alors, on va voir changement du côté castré. Et ce sera sorti d'Avelina. Avelina Dubuc qui a fait une bonne entame. Ouais. Qui va se tenir disponible au cas où elles doivent rentrer. Très. Allez, Camille, Sordé. Qui va taper ce coup d'envoi. Allez, on va essayer de remettre la pression d'entrée. D'entrée, allez, on va jouer sur un ballon long du coup. Emma, pour mettre la pression. Qui monte fort et voilà. Qui va être au placage de suite. Suite hein. Allez, on reforme la ligne. Ligne. Et ça joue petit côté. Petit côté et. On est solide sur ses appuis. Tom face à Océane qui s'échappe pas. Hein. Non. Malgré son épaule, douloureuse. Allez, on joue, on a fait la navale. Allez, récupère le ballon du côté castré, on va le jouer. C'est l'avantage. Allez. Allez, pas de faute, le ballon est libéré, il y a toujours l'avantage en cours. Shot court. Allez, peut le faire. Pour Lucie. Allez, donc ça va, on va revenir à une mêlée, il n'y a pas d'avantage. Pour les Castres. Allez,
Allez, on va partir sur une belle introduction pour Emmanuel. De Roca. Allez, on ouvre côté Castré. Voilà. Ah, dommage d'être dans la garde du ballon. Ah, dommage. Dommage. C'est revenu dans ses bras. Ça va. C'est pas grave. C'est pas grave. Bienvenue. Mathilde qui est venue en plus un là, qui a décroché son arrière pour venir voilà. Son nombre, c'était bien vu. Hein. Allez, du côté Castré, on va faire du changement aussi. Allez, on fait re-rentrer Gaël Bardou, la pilier. Et on va faire souffler Roman de Dieu, je pense. Hein. Non, c'est pas Roman finalement qui sort. Ah non, c'est Charline finalement qui sort, la deuxième ligne. Ouais. Charline qui jusqu'à présent évoluait au 13 à Réalmont et qui nous a rejoint cette année, voilà. Je pense qu'on l'a mis un peu au repos pour la faire entrer après parce que... Tout à fait, je pense. Allez, introduction pour Mio. Mio. On est toujours dans le camp de Mio. Allez, Castres qui met une pression sur un dommage, elles ont mis une pression sur la truie et elles se font sélectionner. C'est pas grave. Allez, Mio joue très vite. On ouvre. Hop. Et on court à l'avant derrière. Voilà. Super. Et on récupère le ballon du côté Castré. À l'intérieur des 40 mètres de Mio. C'est Castré qui reste très vigilante et on voit ça fonctionne. Même s'il y a des petites fautes de main et on passe par beaucoup de mêlées. On reste dans le camp Miavois et on gagne le ballon. Allez, on se positionne pour la mêlée, pour l'introduction, côté Castré. Allez, introduction pour Emmanuel. Voilà. Conserver dans les pieds des mains. Tu vois, on a toujours le ballon. Alors Emmanuel qui ouvre, attention à cette passe, c'est pas grave. Et on s'introduit, attention, ça revient, allez. Pour Mathilde. Allez Mathilde qui chope à la défense, allez, qui donne la Marjorie. Oh. Il s'est fait rattraper, mais bon soutien, il arrive vite. On est à allez, 30 ici. Mètres. Du côté Mio. On donne le ballon. Allez, pour Roman, cette fois-ci, on va chercher un petit peu. Un bien fer. Le ballon est libéré du côté Castré. Et on change de sens. Avec Camille, et Camille qui arrive à percer, qui transmet, et cravate, voilà une cravate, si vous n'allez pas là, voilà, et voilà, pénalité pour les Castres. Allez, on va aller chercher la touche du côté Castré. Tout à fait, je sais pas. Non, on fait signe à 3 points peut-être, hein. Peut-être aller je sais pas, mais 3 points. Chercher les points. Je vois que Bernard il rentre avec le tir. Avec le tir, ouais, je pense qu'elle discute entre elles pour savoir si elle. Voilà, non, elle dit finalement qu'elle va la touche, voilà. C'est quand même les buteuses qui choisissent si elles se sentent d'être trop bon. Allez, on est sur une touche un peu avant la ligne des 7 mètres. Allez, on est à 10 mètres, 15 mètres de la ligne. Avec une touche Castres. Allez, filles se concertent pour savoir quelle combinaison ils vont faire. Allez, lancez pour les Atoui. Allez, petite. Et c'est la fin de la touche. La première Le touche à 7 mètres. Ça finit en touche. Allez, ça finit dommage. Dommage. Allez, on va essayer de la récupérer sur cette touche mise à voisin. Castres qui a repris sa domination après cet essai. Ils sont revenus dans le camp et ils en sont pas encore sortis. C'est ça. Allez, on s'organise. Allez, comptez-vous les filles. Allez, toujours Zarico. La et capitaine. On va essayer de contrer. Hop, et elle est au saut. Oh, elle est lobée, mais c'est dommage. Elle récupère. Dernière, Attention le ballon là. Elle a failli gratter le ballon.
Dommage, Camille. Côté castré. Allez, on remonte, on met la pression. Et on continue à quand même conserver cette, ce bout de terrain. Voilà, le contre-rock. Le contre-rock récupéré par... Non, finalement, ils sont regardés, mais avant la pénalité. Alors là, je pense qu'elles vont prendre les points parce qu'elles sont quand même face au poteau. Hein. Je pense qu'elles vont prendre les points. Ouais, et on voit le... Bon, je vais tomber ma bière. Hein. Ouais, partir, apporter l'outil, donc on prend les points. Et Marjorie... Et Marjorie qui va faire de son mieux pour passer ses points. Allez, les filles qui le savent et qui vont se préparer quand même à monter. Au cas où, pour suivre le ballon. Elles sont mortes de faim, elles nous régalent. Ah ouais. Allez, Marjorie. Allez, c'est parti. Et c'est bien parti. Et ça passe. Ouais, ça passe. Allez, le CUK égalise. Qui égalise à 8-8. 8-8, tout à fait. Allez, changement pour mieux. La demi-mêlée qui rentre, c'est-à-dire Lenny Bousquet. Allez, on s'est bien remis dans le sens de la marche du côté castré après cet essai rapidement encaissé après la reprise. Alors j'attends de voir le numéro. Le numéro 3. Le numéro 3 qui est sorti, donc c'est Océane Cambière. Allez. Allez, ballon récupéré par Camille Sordet qui se patouille et qui fait une libération propre. Allez, on a toujours le ballon qui a été castré, non, c'est les fait arracher dans le. C'est les fait arracher par Emilia Boise. Allez, on ouvre. Allez, Marjorie. Il plaque, on a toujours le ballon du côté de Millau. On essaie de s'en casser. Voilà, on essaie d'arriver plein fer, finalement il y a une pénalité. Il y aura un avantage, on était hors jeu du côté castré. Voilà. Voilà, du coup il va revenir à la pénalité, il n'y a pas d'avantage du côté. Mais c'est bien, hein, Castres dans ce commence. Continue à défendre. Attention, elle va jouer à la mer rapidement, elle va se c'est fait. Voilà, attention, Savi qui a pris le ballon. Allez, les Castres sont bien revenus en défense. Ah, ça te dit, ça, vous savez, elle est redoutable, hein. Elle est capable de faire des choses rapides. Allez, allez, on écarte du côté de Millau. Attention, Océane. Océane, voilà, du coup, elle était sur le plaquage d'avant et... Il y avait un trou du côté de son côté. Allez, toujours le ballon conservé du côté de Millau. On va jouer grand côté. Bien fait. Allez, attention, le ballon, on tient le ballon. Oui, qui essaie de gratter le ballon debout là. Ah, le ballon il est sorti du côté castré, dommage. Dommage, on s'est mis à la faute. Allez, c'est bien que ça lâche pas. Ce sera une pénalité contre Castres. Alors on ne sait pas ce qu'on doit faire du côté finalement de Millau. L'arbitre, l'entraîneur, c'est pas s'il faut aller à touche, s'il faut prendre les points. Je pense que quand même ils vont choisir la sagesse, ils vont essayer de prendre les points peut-être. Non, ils vont jouer à la main. On ne sait pas. Je pense que les jeux sont en train de s'organiser pour jouer à la main là, du côté de Millau. Ouais, ouais. Je pense qu'elles se sentent fortes à nouveau et elles sont dans un temps fort, elles veulent concrétiser ça par un essai. Et c'est parti. Allez, on s'organise du côté défensif Castré. Les Castres qui de suite montent fort hein, pour pas lâcher un morceau de terrain. Voilà. Allez, on glisse en défense. Attention, ça va essayer de repartir au rush. Ouais, non, allez, ça, on va rouvrir. Allez. Et voilà, bien tenu en défense. On maintient, on tient. Ah, si ça sort pas, ça sort pas. Si ça sort pas, on devrait. Voilà, on a récupéré la mêlée du côté castré. Le ballon sortait pas, on les avait maintenus, on avait compris le ballon. Je pense que l'erreur a été de ne pas prendre les points, moi je dis. Ça, bon, c'est mon avis dommage, perso. Je pense qu'elle pourrait s'en mordre les doigts à la fin du match. On verra l'issue finale. Bon, on le sait, il y a eu des matchs où des fois on a voulu être trop gourmand et ça nous a joué des tours. Oui. Parfois non, parfois oui, donc souvent nous, c'est vrai qu'on a tendance à préférer la sécurité, notamment sur les matchs phase finale, pour pas se mettre en danger et essayer de faire un peu les chaos score. Voilà, après les joueuses, c'est elles qui sont sur le terrain, c'est même si les coachs disent quelque chose, c'est elles qui font le jeu, donc c'est leur décision. Allez, l'introduction Emmanuel Roca, du
côté Castré. On est à l'intérieur du 22 mètres Castré. Je pense que Camille va s'apprête à dégager. Oui. Elle est dans l'axe de la mêlée. Ah ouais, on la voit. Et je pense Emmanuel, voilà. Et ça va partir au pied. Et Marjo qui monte fort, hein. Et Marjo qui monte fort. Et que la 15 commande à la balle. La 15 à Alicia Sanguet qui commande à la balle à la réception. Elle a la vie Marjorie arrivée comme une bombe, comme une fusée. C'est perturbant, hein. Voilà, et c'est perturbant. Et du coup, elle a combien à la balle. Et du coup, les Casserelles vont récupérer la mêlée à l'intérieur de leurs 40 mètres. L'arbitre demande si elles prennent la touche ou la mêlée. Ouais, elle préfère la mêlée, je pense. Léa Touy indique qu'elle préfère la mêlée. Allez, Bleu, on fait l'effort sur celle-là, allez. Allez, allez, Léa. Allez, Léa, allez. Allez. Allez, Emmanuel qui va introduire. Allez, l'introduction pour Castres. Et c'est conservé. Assurvé. Allez, bien. Voilà, on ouvre. Camille, Camille pour Laurie. Oui. Allez, on continue. Oh, la réception. La réception. En avant. Et combien en avant derrière. Elle manque un petit peu de profondeur là, elles se sont pas bien compris. Dommage sur la réception. J'ai dit Manon, moi, c'était Lucie Innocentio. Ouais, elle était un peu à plat et du coup Laurie lui a envoyé la balle un peu derrière et c'était beaucoup plus compliqué à réceptionner. Bon, il faut qu'elle se règle là, faut qu'elle retrouve un peu leur marque. J'ai l'impression quand même que cette mi-temps a donné un peu un deuxième souffle à Mio, hein, qui est un peu revenu dans ce match. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Mio qui reprend de la sandlang un petit peu, qui retrouve un peu ses ailes aussi. Tout à fait, tout à fait. Je le disais, cette équipe de Mio, faut pas se croire vainqueur avant d'avoir fini le match, hein, parce qu'ils sont capables de revenir fort. Allez, elles ont gardé le ballon. Oui, ou la passe limite, mais ça continue. Attention, la centre qui franchit. Qui l'a repris. Attention. Hein. Oui, on conserve toujours le ballon du côté de Mio. La ligne se reforme. Voilà. Ça vient chercher le rat. Ah, le rat. Emma qui vient plaquer. Emma, en termes de nombre de plaquages qui vraiment... Allez, ça ouvre, grand côté. Attention, le surnombre peut-être. Ouais. Du côté. Alors. Hop. Allez, on a bien défendu côté Castré, on a bien glissé. On a une blessée du coup. Ouais, on a des joueurs au sol. Ah, c'est bon, ça se relève, ça se c'est relève. Bon. C'était rien, c'était Lucie. Allez, on ouvre du côté... Allez, on essaie de remettre les barbelés. Le Mio. Toujours dans le côté, dans le camp Castré, dans les 22, on se rapproche de la ligne, mais les filles ne lâchent rien. Voilà. Allez, belle montée. Ouais. Oh, le beau plaquage. Belle montée, hein. Belle montée. Attention, elles ont toujours le ballon. Ouais. Mais elle est bien plaquée par... Laurie de Castro, hein. D'Aléo Castro. Allez, ballon toujours conservé du côté de Mio. Allez, ça tombe, hein. Ah, c'est conservé. On ouvre. Grand côté. Allez, attention, le trou. Alors, et si la marque, hein. On est sur la ligne, attention la coffret, si on a coffret. Est-ce qu'on a le ballon? Je vais faire un AVC hein, bientôt. Allez, le suspense est jusqu'au bout, cette hilière de côté Mio qui est vraiment remontée. On est allé sur la ligne Castres, ballon toujours pour Mio. Allez, avec un bon plaquage mais avec une faute donc qui aura un avantage pour Mio. Allez, on sort le ballon du côté de Mio. Allez, grand côté. Allez, il faut relâcher, frère. Et allez, on tient. Faut tenir bon là. Voilà. Et on est sur la ligne, donc il n'y aura pas ici. L'arbitre dit, donc on va revenir à la. Voilà. Pénalité, hein. Sur la pénalité. Ça va jouer vite, côté. Ça va jouer vite, ouais. Putain, mais. Nous, on n'était pas placé, voilà. C'était pas pour positionner du côté Castré. Ah là là là. Allez, c'est pour Mio, hein. Ah, les filles ne sont pas replacées là sur le. Et ouais, elles ont. L'oxygène et sur la pénalité, elles ont oublié qu'elles devaient se replacer et. Elles prennent un simple casquette. Un quoi, peu dommage, casquette, ouais. Dommage parce qu'elles elles avaient bien résisté jusqu'à présent et. Ouais. Et Charline qui va se préparer à rentrer. Charline Tissandier. Allez, c'est Miyavos qui retrouve un bol d'air frais un peu là. Ouais, c'est dommage. 13 à 8, on va attendre la transformation. Et les coachs Mio qui redonnent les consignes. Ah, c'est cette pénalité là, vite jouée.
C'est dommage pour les Castres qui s'étaient pas repositionnés, qui étaient restés encore à discuter entre elles un petit peu, et ils ont pas vu le Savi Margot la jouer rapidement, et donc il y avait un trou. Allez, on est monté, ça va pas être transformé. Allez, 13 à 8 pour Millau. Allez, Charline qui rentre. Et je pense que c'est Manon qui va sortir. Hein. Ouais. Manon Lafage. Qui a pris, qui s'est fait un peu secouer sur le dernier plaquage là. Ouais. Allez, on est reparti. Avec un renvoi à Camille, ah, c'est bon. C'était Lucie. Nous allez, un renvoi long. Qui est sorti. Allez, Romillo qui. Allez, Emma qui est au plaquage. Tiens, toi, Emma impressionnante sur le nombre de plaquages qu'elle a eu dans chaque match. Ouais, tout à fait. Allez, toujours le ballon pour Millau. Allez, sortie propre de Millau, ça sort. Attention, la passe, la fête, on envoie. Bon, elle pouvait. Camille qui est sur la fête, ouais. Mais ça continue à avancer quand même. Ah, le contre-rock. Non, finalement non. Allez, ça change de côté. Pour Millau. Allez. Allez, on ouvre du côté de Millau. On a un renvoi au centre de nouveau, hein. On repart de plein fer. Allez, sans sortir dans le même sens. Voilà, beau plaquage. Un nouveau plaquage. Les filles essaient de mettre une main sur le ballon, mais non, c'est propre. Alors, on s'organise. Attention. Elle est sur ses appuis. Allez. Ballon disponible pour Millau. Ça passe dans l'axe. Hein. Ça fait des piques à go. Bien pris par Laurie, je pense que la tête dessous, elle n'a pas dû avoir que des, que des caresses. Mais non. Elle va survivre. Ah, elle est restée au sol. Ouais, non, ça va. Sol, ouais, elle est restée au sol. Sonia rentre. Allez. Voilà. Allez, attention, on se repasse dans ce sens. Attention. Le bon plaquage. Le bon plaquage. Et le contre-rack derrière. Et oui, le bon contre-rack. L'Océane. Wow. Très bien joué. Super. Alors là, on va arrêter le jeu là, pour venir voir la mission. C'est revenu au Castres. Donc du côté Castres, va aller à la touche. Cet arbitre, je trouve très cohérent. Il y a un bon arbitrage. Il explique, il parle avec les joueuses, il explique ses décisions, il vient voir. D'un côté comme de l'autre, et c'est agréable. Ah, arrêt du temps. Ok, Cyril qui en profite pour transmettre quelques informations à Camille suite de l'arrêt de jeu. Ouais. Il y a qui se resserre les troupes pour remotiver tout le monde. Hein. Ouais, allez. Allez, c'est relevé du côté. Elle le sait, elle serre les dents, hein, c'est une guerrière. Allez. On va sûrement aller taper en touche. Et les supportrices de Castille commencent à relever un peu la voix. On est rentré dans le camp mis à voix. Ça fait du bien de respirer un peu. Allez, on va aller chercher la touche. On va aller rentrer dans les 22. Très belle. Ouais, t'as le touche de Camille. Qui renvoie le. On est dans les 20 mètres de Camille à voix. Ouais. Et ça va être l'insassure pour les atouts. Allez, une munition pour revenir au score. Hein, pour les Castres. Hein. Assurer le lancer. Allez, ce sera une touche à 5. Allez, je pense que c'est Marion qui va aller sauter. Allez, au lancer la capitaine. Léa Touy. Allez, Marion qui s'élance. Et elle saute. Voilà, ballon conservé bien. Allez, et on ouvre. Allez. On sur Camille. On s'ouvre, Camille. Océane, tu récupères pas Marjorie. Allez, sur l'extérieur. Il faut mettre les cannes. Allez, il faut conserver le ballon.
touche, c'est bon, la gardienne. Ah, pas au-delà du ballon, dommage. Le filet qui arrive un peu tardivement. Ouais, on se met à la faute et du coup, Mio va récupérer une pénalité. C'est Satellier qui a rencontré Alona pour la première fois qui apparemment a laissé des plumes dans cette action. Hein. Oui. Voilà, Alona qui évolue en troisième ligne et qui évoluait à l'aile l'an dernier et qui est capable de polyvalence. Ces filles qui sont capables de beaucoup de polyvalence, oui, c'est intéressant et ça permet au coach de pouvoir les mettre à plusieurs postes. C'est vraiment agréable. C'est la particularité, je trouve, chez le rugby féminin, que d'avoir autant de polyvalence sur ces postes. Il vaut mieux, c'est sûr, avoir beaucoup de polyvalence. C'est sûr que plus on va monter à haut niveau, plus on va se rapprocher de l'élite 1, du top 16, au moins il y aura de polyvalence, puisque les filles sont recrutées à des postes. À des postes clés, ouais. Et puis il y a beaucoup de concurrence à chaque poste, mais c'est vrai qu'à nos niveaux, parfois, par manque d'effectifs, oui, on est obligé de faire preuve de plus de polyvalence. Je suis d'accord. Allez, on va se dégager du côté de Mio. Est-ce qu'elle va pas la jouer à la main là? Non, elle va. Non, je vais à la touche. Hein. Allez, ouais. Petite touche. Touche m'assurer cette fois. Allez, m'assurer. On va être sur la ligne et sans doute des. Allez, à l'intérieur, elle était de même. Ouais, vraiment une petite touche. Alors, ça serait bien que les Castres puissent le contrer et s'offrir une munition. Je pense qu'il faut vraiment profiter de ce mauvais jeu au pied des Miavoises pour conserver le terrain et aller remarquer un essai. Ouais. Et si on pouvait, un essai entre les perches qui nous permettrait de transformer et de passer cette vague. Mais en tout cas, les Castres montrent de belles choses. Et c'est parti. Allez. Allez, ballon, à deux temps, récupéré par Mio. Conservé, l'arbitre ne dit rien. Allez, on s'organise. Allez, les Castres. Et il m'a encore au placage. Faut essayer de pas les laisser trop progresser pour avoir. Ça passe dans l'axe. Hein, voilà, ouais, ils ont compris que trop. Au chocolat, ouais. Allez. Voilà. Et c'est bon, qui va sortir. Tire, attention. Voilà, tu vois ça. Allez, et garde le ballon toujours. Toujours au placage. Laurie, ouais. Il a vraiment deux bonnes plaqueuses de son équipe. Allez, bien plaqué, bien plaqué, Camille. Allez, attention parce que ça rappelle que tu es mis à voix du petit côté aussi. Oui. Il y a des possibilités de deux côtés. Attention, elle arrive bien lancée, mais bien plaquée. Oh, énorme. C'est égal. Oh, mais dommage, un but considérable qu'elle plaque. Bon, que fait Paul? Pas grave, c'était bien, franchement, parce que. Attention, parce qu'elles ont joué. Et Castres était à la main, heureusement. Il faut récupérer. Il faut récupérer, la jouer. C'est bien le plaquage parce que franchement, il n'y a pas d'intention de faire mal. Non, je pense pas. Bon, après, l'arbitre préfère jouer la sécurité. Voilà. Et allez, on va revenir à une mêlée Castres, toujours à l'intérieur du camp de Mio. Sur la ligne des 42 mètres. Ah, il considère qu'elle l'avait levé un peu trop à la joueuse. Donc, la hanche était passée au-dessus du niveau des épaules, donc ça aurait pu être dangereux. Ouais, il a raison de le signaler parce que ça peut être dangereux. Voilà, c'est tombé sur Camille, je pense pas qu'il ait l'intention de... Non, je pense pas non plus. Allez, ce sera l'introduction pour Emmanuel Roquin. On est sur la ligne des 40 ce côté mis à voix. Allez, c'est parti. Allez, on a conservé le ballon. Allez, c'est bon. Emmanuel qui va jouer. Attention le soutien. Attention le soutien. On libère proprement. Voilà, garde le ballon. Eh, souvent il y a des côtés. Ouais. Allez, Castres aussi, Carrez, qui en a joué aussi. Qu'elle montre aussi qu'elle peut faire du pick and go. Et on va avancer. Côté à jouer qui. Ah ouais. Dommage sur Océane Arnaud. Dommage, un petit côté sur Océane Arnaud là-bas qui était. Dommage. Non, c'était Alona, Océane Arnaud. Elles ont changé. Ah oui, Océane est passé de son côté, ouais. Et dommage, c'est des petits coups là. Elle ne joue pas, elle ne joue pas parce que les Miavoises sont vraiment aspirées dans le sens et il y a des coups à jouer. Ouais, c'est dommage. Hein. Allez, ce sera une faudrait... au milieu cette fois-ci. Si. Ah, il faut faire l'effort du côté Castres, on va récupérer le ballon. Ça fait. Ah, vous êtes des supporters Castres qui disaient qu'il faut pousser pour récupérer.
Allez. Ah. On met la refaire. Niavoz, pas bien lié. Allez, Millau qui a eu un peu de difficultés sur ce secteur de la mêlée. Hein. Oui. Ah, cette catégorie-là, les mêlées sont un peu disputées. C'est poussé jusqu'au gain du ballon, c'est-à-dire d'une fois que le talonneur a récupéré le ballon, la poussée s'arrête. Hein. Donc c'est très limité. Quoi. Allez, c'est fait. Ouais, voilà, c'est fait. Ah, t'as sur le ballon sorti. Allez, montez, voilà. Allez, ça serait bien le plaquage, les gars. Allez, considérez qu'il y a un arrière. Hein. Ok, c'est de récupérer, mais non. Allez, dommage. On avait parlé de Miavoz, alors on forme la ligne. C'est dommage. Allez, on se met la pression, voilà. Allez, il faudrait aller gratter ce ballon. Oui, on est monsieur l'arbitre, on gratte, oui. Voilà. On a le grattage. Allez. Sur le grattage, on a la pénalité. On a l'avantage pour nous. Voilà, la pénalité pour Castrez. Allez, bien, on fait l'effort. Mais peut-être qu'il y a une autre possibilité, à voir. On va voir ce que Marjo fait, Camille. Je pense qu'elle va jouer vite. Rapidement. Allez, il faut pareil. Voilà, là, c'est pareil. Le plaquage. Allez, c'est libéré. Ça va sortir. Allez, il faudrait marquer du côté Castré. Allez, on assure. Allez, plein fer. Allez, Castré, qui a décidé de mettre un peu de vitesse et de retourner au combat. Hein. Allez. Il y a un effet dans cette joue. On essaye. Allez, on est sur la ligne. Et que le ballon sorte du côté Castré. Allez, on va continuer dans le sens. Oui, ballon est corradé. Allez, Océane. Océane qui va aller au relais. Allez. Allez, avec les avants. Avec les avants. Une fois, et on va essayer de passer à Aïn. Il va être un seul. Hein. Ah non. Faut sortir le ballon. Allez. Allez, on s'organise. Il pour envoyer au bout là, parce qu'il n'y a plus personne. Ah, mais ouais. Putain, ce mouchoir de poche. Il y a une pénalité pour Castres. C'est compris, mais Charlie, allez. Récupéré. Non, mais alors, il y a une pénalité pour Castres, toujours en avantage. Allez. On va jouer vite. Ah, il aurait pu. Dommage. Ah, dommage. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du côté Castres? D'accord, l'arbitre qui parle à Charline. Ouais. Peut-être par rapport au ce comportement, je sais pas. Je pense qu'elle n'était pas d'accord avec la décision. Alors, okay, bon, c'est en jeu. On reste sur la pénalité pour Castres. Alors, on va jouer à la main. On va jouer à la main, Camille. Et Camille, qui s'échappe de nouveau. La fête du... Allez. Et ça marque. Allez, c'est... Et c'est encore vivant, les Castres. Allez. Ah non, il... Non, pénalité pour... Pénalité, Pio. Il s'est castré, mais non. Que Castres a rampé, il était en deux temps. Ah, voilà, c'est ça. Elle dit qu'elle a rampé, qu'elle est allée. Elle a rampé, dommage. Dommage, parce que... Dommage. Je pense que... Elle est tenue, elle rampe, elle est avancée. Ok, petite touche, ça sort pas. Encore, ça sort allez, pas. Rigole, ah, dommage. Aïe. Touche, finalement. Oh, quel suspense. Allez, ça va être bientôt. Ah, non, on peut plus, nous. Ça va être bientôt la fin du match, parce que l'arbitre aura de la montre. Ah, c'est dommage et cette occasion. Nous on y a cru hein, d'aller. Et Patrick Roca qui est en train de s'agacer là au bord du terrain. Allez, on va essayer de contrer avec Marion Roca là en touche. Allez, il faut récupérer ce ballon. Aller sur une touche complète. Hein. Allez, 6 mètres, finalement on n'est pas le bon nombre. C'est pas grave, si on est moins, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, on s'organise du côté Castré pour essayer de contrer. Voilà, on peut casser, ballon récupéré pour les Castré. Allez, on est récompensé. Ah non, ils ont sifflé, allez, ballon, on peut casser là. Les Castré, elles avaient pas entendu, les Castré, que le ballon était pour elles. Allez, dernière chance, je pense que c'est la dernière. Ça va envoyer au bout. Ça va envoyer au bout, non. Allez, les avants qui veulent y aller. Là, c'est pour les temps. Allez, propre. Et on change de côté. Allez, on change de côté, Camille. Allez, on va sur le tour. Attention au ballon. Allez, fais le ballon derrière. Allez, ça fait du match. Dommage. Allez, Millau qui s'impose. Dommage. 13 à 8, parce que franchement, les Castres n'ont pas démérité, je pense, que Millau là. C'est dommage. Elles ont mis vraiment les ingrédients et. Dommage parce qu'elles prennent ces casquettes qu'elles ont jouées. Et puis elles sont sur la ligne là et ça se joue pas grand chose hein, cet essai. C'est qui est rapidement joué qu'elles ont pris à la reprise de la seconde mi-temps et
Malgré ça, elles ont tenu, elles ont rien à se reprocher. Hein. Non, vraiment, elles peuvent sortir de ce match la tête haute. Ouais. Elles nous ont impressionnés, elles nous ont régalés. Vraiment dommage pour ces casquettes. Ouais. Je pense qu'elles ont fait douter à la mi-temps, elles ont dû faire douter quand même les Améronaises, Mio. D'ailleurs, après, au lieu de jouer, Grand Côté s'amusait, faisait plutôt du Pekingo, passer la laxe pour assurer la balle et garder le ballon. Mais bon, voilà. Ah, alors les supporters Castrix ne sont pas contents de la décision de l'arbitrage, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu. Notamment, je pense à l'arbitre touche. Je pense qu'on est sur l'arbitre touche, pas l'arbitre du centre, hein, plutôt l'arbitre touche. Okay. Bon, les parents ne sont pas contents, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Il faudra qu'ils aillent consoler leur fille parce que vraiment, elles ont fait un super parcours. Ouais, elles ont fait un super parcours, les cadettes. Fiers de leur saison, fiers de ce qu'elles ont accompli aujourd'hui. Elles ont vraiment pas démérité. Ouais. Cette équipe de Mio, elle était redoutable, on le savait. Il fallait pas leur laisser une seule occasion. Ah, et puis bon, 13-18, je veux dire, c'est pas... 18, ouais, voilà, je pense que c'est le match le plus serré pour Mio. Hein. Ah ouais, c'est vraiment... Peut-être leur secouer les plumes pour la finale, elles se sont peut-être senties arriver. Je pense que s'ils voyaient peut-être un peu trop vainqueur d'entrée. Ça a failli le jouer à tour. Pour elle, tant mieux, et félicitations à elle, hein. Félicitations à Camille. Ah oui, elles ont marqué de beaux essais. Tout à fait. Elles n'ont rien lâché. Elles ont retenu. Une force de caractère qui fait qu'elles ne lâchent rien. Voilà. Leur fierté, voilà. Puis les Castresses se sont raccrochées malgré les séquences qu'elles avaient encaissées. Elles sont revenues dans le match. Bon, ça se joue pas grand-chose. Elles sont sur la ligne là. Si elles marquent, ça peut changer un peu tout. Donc c'est. Tout à fait. Bravo. Allez, bel esprit, vous voyez. Castresses qui vont féliciter. Les filles qui vont essayer Mio. Miavoise, ouais, je pense que Miavoise se rend compte qu'elle se tombait face à un adversaire d'ailleurs. Une rencontre très agréable. Ouais, très beau match. Très beau match, on aurait préféré, c'est sûr, nous la victoire pour continuer. Je pense que c'est ce qu'on a dû leur dire l'entraîneur Cyril, Pierre et Patrick, elles ont rien démérité, elles ont rien lâché, se sont battues jusqu'au bout. Donc il n'y a pas de regrets à avoir. Tout à fait. Comme on leur avait dit, voilà, c'était Mio les favorites, elles n'avaient rien à perdre. Aujourd'hui elles ont fait ce qu'elles ont pu et. Bon, Mio passe et ça aurait pu être nous, mais voilà. Ouais. Bravo pour Mio. Bravo les filles. Les deux équipes méritent leurs applaudissements parce que franchement, Mio a fait un super match, mais Castres aussi. Hein. Donc voilà, elles sont. Et les cadettes de casque qui vont être réconfortées par tout le public et notamment les seniors là qui lâchent rien. Elles sont en groupe. Très fiers de ces petites, hein. On est vraiment très fiers d'elles. Puis il y en a quelques-unes qui vont faire peut-être voler des seniors l'année prochaine. Quelques-unes qui sont prévues pour monter. Après, c'est toujours compliqué de prévoir dans le sens où on ne sait jamais trop où est-ce qu'elles vont partir pour les études. Elles le savent un peu au dernier moment. Bon, nous, on espère toujours pouvoir les garder, mais. Des fois les études les portent plus loin, c'est pas grave. Celles qui pourront rester, ce sera avec beaucoup de fierté qu'on jouera avec elles. Et celles qui iront dans une autre. Voilà, l'aide d'honneur et de Mio, parce que je pense qu'elles ont. Voilà, c'est ça. C'est un cheval, elles n'ont pas démérité. C'est ça. Bon, les Castres sortent à l'arbre, c'est normal, mais. Cheval, Mio, on voit que l'adversaire a été à la hauteur. Et ça s'est joué à pas grand chose, hein, franchement. Mio nous a pas déçus à l'auteur de nos attentes. Allez, on va se retrouver un peu plus tard. On va essayer de faire les interviews du côté castré. On repasse la main à Thomas. Et moi, je vais aller voir si on peut avoir quelques interviews castrées des joueuses et l'entraîneur. Allez, à tout à l'heure. Oui, et merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Dommage pour le Castres Olympique. Mais c'est comme ça, c'est la dure loi du sport. Merci et à très vite.